Donc ici, on va continuer sur unité 1, donc rien d'unité 1, leçon 1, etc. On va continuer sur les diagrammes énergétiques. On va faire quelques exemples. La dernière fois, on a vu le magnésium. Et bien maintenant, on va faire autre exemple. Donc on va faire des exemples un peu plus faciles. Donc, faisons exemple. Sodium, le Na. Faisons le Na. Le Na a 11 électrons. Et bien, si on fait le Na, ben, le premier niveau N égale à 1,1, c'est-à-dire l'énergie N égale à 1, ça veut dire s'il se trouve au premier niveau d'énergie, c'est-à-dire le fugitif n'a pas pu s'échapper beaucoup. Si on revient à l'exemple que l'électron, on ne peut pas le retracer, on ne peut pas le suivre, mais on va suivre ses orbitales. Donc, on a N égale à 1. On a dit qu'on n'a qu'une seule orbitale S, qui est comme ça. Et cet orbital-là, on peut y mettre, il peut contenir deux électrons. Soit un électron qui est 1/2, c'est-à-dire avec un spin 1/2, ou bien un spin moins 1/2. Maintenant, N égale à 2, parce que j'en ai 11 électrons. N égale à 2, pas N2, mais N égale à 2. On a dit que dans le niveau 2, il y a une orbitale S et trois orbitales P. Une orbitale P qui contient trois sous-orbitales. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je fais comme ça. Donc, ces orbitales-là, ils auront des choses comme ça. Alors, N égale à 3. Eh bien, pour N égale à 3, eh bien, j'ai une orbitale S. J'ai trois orbitales P, vous rappelez, et cinq orbitales D. Ça, on les avait faites. Orbital T. Alors, moi, combien d'électrons que j'ai à ramasser? J'en ai 11, mais j'ai déjà mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, dans l'orbital S, ici, je vais mettre un seul électron et je vais le mettre dans O. Ici, je vais représenter normalement ça, comme je vous ai dit. Normalement, on ne les représente pas comme le niveau énergie, comme c'est pas comme ça. On fait tout simplement un S et je fais le cercle. J'ai deux S. Alors, dans ce 1s, il y a deux électrons. Dans le 2s, il y a deux électrons. Après 2s, on a 2p. Donc, je vais faire 2p. Comme ça. Trois électrons. Trois petites orbitales. Donc, ça va faire 6 électrons. Les orbitales p peuvent contenir jusqu'à 6. Et puis, j'ai 3s. Et dans le 3s, qu'est-ce que j'ai? J'ai un seul électron. Donc, ça, c'est là le diagramme énergétique du diagramme énergétique du sodium. Alors bien sûr, on ne va pas faire toujours quand on veut remplir un tableau, on ne va pas suivre ça, on ne va pas faire ça, mais il y a un truc, comment savoir quel orbital il faut remplir en premier. Donc j'ai les 1s, etc. Donc on va faire ici, donc tableau des orbitales. Tableau de remplissage. Des orbitales. Voilà. Alors, les orbitales ne sont pas toutes équivalentes. OK? Et c'est pour cela que ce tableau-là vient le faire. Alors, regardez ce qu'on fait. J'ai un S, je mettrai un S, 2S, 2P. Pourquoi je mets 2S, 2P? Parce que le niveau 2 contient une orbitale S et des orbitales P. 3S, 3p, 3d, parce que l'orbital 3, il a des orbitales s, p et d. Et puis, 4s, 4p, 4d, 4f. Après, j'ai 5s, 5p, 5d, 5f, 5g, mais on ne l'écrit pas. 6s, 6p, 6d, 6f. Et puis, 7s, 7p. 7D, 7F. Et comment on remplit ça? Eh bien voilà, on fait des flèches pour savoir dans quel ordre on doit remplir les orbitales. Et je vous expliquerai comment on utilise tout ça. Alors, on les fait comme ça. Première flèche, deuxième flèche, ce sont des diagonales. Troisième diagonale, quatrième diagonale, cinquième diagonale. Regardez comment je les ai faites. Ben, attendez, celle-là, je vais l'effacer.
Alors, une autre diagonale 4D avec, vous voyez, j'ai le 4F avec ça, j'ai cette diagonale-là, j'ai cette diagonale-là et j'ai cette diagonale-là. Donc, vous voyez, c'est ça. Et moi, ces diagonales-là, je vais les numéroter. C'est la diagonale 1, diagonale 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10. Alors, comment on remplit maintenant nos diagrammes? Alors, regardez comment on va les faire. Par exemple, alors, on va faire un exemple. Je vais essayer de le faire ici. On va faire ici exemple. Le calcium. Le calcium, lui, il a 20 électrons. Eh bien, regardez comment je commence. Je commence par la diagonale 1 qui est en rouge. J'ai un S. Eh bien, je vais faire un S. Alors, un S, une orbitale S, il n'a toujours qu'un seul. C'est ça, j'en ai deux électrons. Donc, j'ai fini la diagonale 1 parce que je l'ai fini. La diagonale 2, c'est deux S. Donc, je vais mettre ici deux S. Et elle aussi, il a un électron, un électron. Donc, la deuxième diagonale, je l'ai fini. Troisième diagonale, il commence par 2P, 3S. Donc, j'écris ici 2P, 3S. Alors, P, c'est, je mettrai 1, 2, 3, et S, 100. Ça, c'est la troisième diagonale. Donc, là, j'aurai un électron ici, comme ça. Un en haut, un en bas. Un en haut, un en bas. 3S. Combien j'ai ramassé à date? Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai ramassé 12. Donc, j'ai fait la 3. Maintenant, je vais faire la 4, ici. La 4, regarde ce qu'il me dit. Il me dit, tu dois faire 3P, voyez, 4S. Tu vois, on ne va pas faire 3D. Pourquoi? Parce que 3D est plus énergétique que le 4S. Je dois faire 3P, 4S, 3P et puis 4S. Et puis, je vais les écrire ici. Donc, les P, c'est 3 orbitales. Je ne vais pas les mettre au niveau du S. Je vais les caler ici pour que je les mette au niveau du P. Et là, je fais un électron ici, 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 un électron ici. Combien j'ai ramassé à date? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, c'est 18. Et puis S, je mettrai 2 électrons ici. Donc ça, c'est la configuration du calcium. C'est ça la configuration du calcium. Alors, je prendrai un autre exemple. Je prendrai... Attendez... L'aluminium, on l'a fait. On va faire le chlore. Le chlore, non, on va faire un peu plus compliqué. C'est quoi celui-là? Ok. Alors, donnez-moi un moment. Alors, on va faire le strontium. Alors, je vais effacer ici, on va faire le strontium. 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 Ok, on va essayer le strontium. SE. SE. Alors, le nombre d'électrons du SE, du strontium. Le strontium. SN. On va avoir le strontium. Ça, c'est S, strontium. 34. Strontium. Oui, on va faire 34. Faisons l'exemple avec 34 électrons. Ça, on l'a fait. 34. Eh bien, je vais commencer encore par la première diagonale. La première diagonale, c'est 1S. Je mets ici, il a 2 électrons. Je fais la deuxième diagonale maintenant, 2S. La deuxième diagonale ne contient que 2S. Vous voyez, je fais 2S, je fais comme ça. Un en haut, un en bas. Je fais maintenant la troisième diagonale. Troisième diagonale, il y a... La troisième diagonale, il y a 2P et 3S. Donc, j'écris 2P et j'écris 3S. Les P, je vais les caler un petit peu par rapport aux S. Comme ça. Et j'ai le S ici. Donc, j'aurai des électrons en haut, en bas, électrons en haut, en bas, électrons en haut, en bas, électrons en haut, en bas. Maintenant, j'ai fini la troisième. Je vais faire la quatrième. 3P et 4S. 3P, 4S. Donc, les P, je vais les caler un petit peu. 1, 2, 3, et les S, je vais les mettre ici. Alors, les P, un électron en haut, un électron en bas, un électron en haut, un électron en bas, un électron en haut, un électron en bas,
en haut un électron. On voit combien j'ai ramassé à date. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai ramassé 20. Donc, j'ai fait le 3. Maintenant, je vais faire, donc j'ai fait 3P, 4S. Je vais faire la 5. 3D, 4P, 5S. 3D, 4P, 5S. Alors, je vais effacer en haut. J'espère que je n'aurai pas besoin d'assez plus d'espace que ça, mais espérons. Donc là, ça c'est ce qu'on a dit, hein, le sélénium, comme ça. Alors, je dois faire 3D. 3D, parce que c'est après les P, mais les D, ils ont combien? Ils en ont 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça les D. OK? Donc j'aurai combien ici? Un électron en haut, un électron en bas, 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 un électron en haut, un électron en bas. J'ai ramassé 30 à date. Et puis j'ai 4 P. P, ils ont 3. 1, 2, 3. Et bien pour le P, j'en ai 4 électrons à distribuer. Donc je vais mettre un ici, et un ici, un ici, et un ici. Alors ici, vous voyez ici, j'en ai 4. Dans l'orbital, quand je suis dans un niveau d'orbital, par exemple P ou D, eh bien, je ne dois pas mettre, par exemple, 2 ici et 2 ici. Eh bien, non. C'est ce qu'on appelle la loi de Hund. Alors, la loi de Hund, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, si tu travailles sur une orbitale, par exemple P, OK, et que, par exemple, si je mets... attendez, j'en ai... Pour que je ramasse, je dois ramasser 34. Donc, je pourrais dire, je mettrai comme ça ces deux-là, je mets deux ici, j'ai 34, je crois. On va le calculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, oui, c'est 34. Mais la loi de Hund me dit non. Parce que tu es au niveau 4, dans l'orbital P, eh bien, cet orbital est vide. Eh bien, cet électron-là, ils vont dire, ben, pourquoi on se repose alors qu'on a de l'espace? Eh bien, cet électron-là ne va pas être là, mais il va se mettre ici. Pourquoi? Parce qu'il pourra occuper le plus d'espace dans l'orbital. Parce qu'ils sont dans l'orbital P, eh bien, c'est ça ce que ça va être. Donc, ça, c'est le sélénium. OK? J'espère que vous saviez maintenant comment travailler avec ce tableau-là. Je vais faire maintenant quelques exemples pour vous montrer un petit peu les lois de Hund et la loi d'exclusion de Pauli, le principe d'exclusion de Pauli. C'est ce que nous allons voir maintenant. OK, alors on va voir ici. J'espère que le tableau ici, vous savez comment le travailler avec. Maintenant, on va faire ici principe d'exclusion de Pauli et puis loi de Hund. Alors, je vais effacer, je vais continuer ici peut-être. Je vais mettre ici grand 6, je vais effacer tout ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, je vais effacer tout ça. Et on va écrire grand 6 exclusion de Pauli. Exclusion de Pauli. Pauli. Et loi de Hund. Règle de Hund, pas loi de Hund, règle de Hund, si vous voulez. Alors, on va faire la même chose un petit peu. Je vais revenir à là où on était. C'est ça. Alors, je vais effacer ça maintenant. Et je vais faire maintenant pour le lithium. Pas pour le lithium. Je vais faire pour le... Je vais faire pour qui, là? Principe d'exclusion de Pauli. OK, je vais faire pour le carbone. Alors, pour le carbone, il a combien? Il a 6 électrons. Pour que je ne me trompe pas, le carbone, il a 6 électrons. OK? 6 électrons. Alors, comment je vais faire encore? Je commence par la diagonale 1. Donc, je dois remplir l'orbital 1s. À s, il n'y a qu'une seule. Donc, il aura un en haut, un en bas. OK? Après, je dois partir à l'orbital 2, 2s. Et là, qu'est-ce que dans l'orbital 2s? Eh bien, je peux mettre 2 électrons. À date, j'en ai 4. Après, je dois partir à 3p. Parce que c'est ça. À 2p, pardon. 2p. Alors, 2p, 3s. Parce que c'est ça ce qui est dans la diagonale. 2p, 3s. J'aurai 2p ici et j'aurai un 3s ici. Maintenant, combien moi j'ai ramassé? J'en ai ramassé
4, il me reste 2. Eh bien, la loi de Hund me dit que tu n'as pas le droit de mettre les deux comme ça. Parce que tu donnes l'orbital P, eh bien, tu distribues tes électrons de telle manière qu'ils occupent c'est-à-dire le maximum d'espace pour qu'il n'y ait pas d'orbital vide. OK, normalement, c'est comme ça que je vais le remplir. Je remplis un ici et un ici. Et là, j'en ai 6. Alors, cet orbital, est-ce qu'il est là? Je l'efface parce que je ne l'ai pas commencé. L'orbital 2P, je l'ai commencé. Et c'est ça là pour le carbone. Ça, c'est le carbone. Donc, ça, c'est le diagramme énergétique du carbone. Maintenant, je vais faire pour l'azote. Le N. Le N, c'est 7. C'est ça. Après, on va faire l'oxygène. Après, on va faire le fluor. Pour qu'on comprenne toutes ces choses-là. Alors, on va faire pas le carbone, mais l'azote. On va faire azote, la configuration énergétique de l'azote. C'est N, N égale à 7. Eh bien, c'est la même chose. Donc, je vais les garder la même chose. C'est 1S, 2S. Donc, 1S, il n'a que 2 électrons à mettre. 2S, il a 2 électrons à mettre. Après, je dois faire 2P. 2P, j'en ai 3. Ah, je dois les tasser un petit peu par rapport au S. Les P, j'en ai 3. Alors, comment je vais les faire? Eh bien, combien d'électrons que je dois mettre? Je dois mettre 3. Donc, je mettrai 1 ici, 1 ici et 1 ici. C'est ça la loi de Hund. La loi de Hund me dit que tu ne dois mettre 2 dans une même petite orbitale que si toutes les orbitales sont remplies. Donc, ça, c'est l'azote. Maintenant, après l'azote, l'oxygène. Je vais faire l'oxygène. Vous allez comprendre la différence. Oxygène, c'est 8. Alors, la même chose que pour l'azote. Seulement, maintenant, ici, j'en ai 8. Eh bien, j'en ai 2 et 2, 4. Eh bien, maintenant, j'ai le droit de mettre un autre électron avec un autre. C'est-à-dire, je dois faire une paire, mais l'électron doit être avec moins 1,5. Donc, ça, c'est l'oxygène. Après l'oxygène, il y a le fluor. Alors, si je vais faire le fluor, donc ici, c'est pas la peine, je mettrai tout simplement élément. Ou bien fluor, voilà, élément, fluor. Fluor, c'est 9. Alors maintenant, lui, il est 8, l'oxygène 8, qu'est-ce que je dois faire pour 9? Eh bien, je vais ajouter un autre électron ici. Donc, ça, c'est le fluor, la configuration du fluor, parce que j'en ai 9, mais j'ai encore de la place dans le P. Maintenant, après le fluor, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le néon. Le néon, comme ça. Et le néon, il en a combien? Il en a 10. Eh bien, pour 10, il suffit que je mette un autre électron ici, c'est le néon. Et vous voyez pourquoi, par exemple, le néon est très stable. Vous voyez que dans la dernière couche, il a 2, 2, 4 et 2, 8 et 6. Vous voyez, toute la couche P est remplie. Toute la couche est remplie. Vous voyez, la dernière couche est bien remplie. C'est pour cela que le néon est stable. Parce que toutes les places sont occupées par les électrons et tout le monde est content là-dedans. C'est le néon. On a fait le sodium, alors vous pouvez faire les autres. Maintenant, vous connaissez comment faire la configuration, c'est-à-dire la configuration, le diagramme énergétique des atomes. Il suffit de vous rappeler de ce tableau-là et on a vu comment on remplit les éléments. L'exclusion de Pauli, c'est ça. Donc, c'est ça. Ça veut dire que dans une boîte, je ne peux pas mettre, je dois mettre toujours un en haut et un en bas. C'est ça le principe d'exclusion de Pauli. Parfait, allez, bye.